Ma Mission TV, le miroir du monde. Au même corps, il y a Bazan. Est-ce que vous en avez idée et pas beaucoup qui n'a pas encore? Je vais vous donner ce que vous avez raté. Et puis, vous avez tout. Oui, la grande zélade. La grande zélade. Je vais vous donner tout droit. Je vais vous donner un peu de temps. Quand on est à gauche, Le service du cadastre est là, allez vérifier. On vous dira cette concession appartient à qui. Mais avec les jumelles, je vois que c'est l'acharnement contre Jadija. Ah oui. Nous parlons de la parcelle où habitait Banza. Cette parcelle a été vendue en quelle année? 2014. Voilà. Est-ce que... Moi, j'ai une question, monsieur le Premier Président. 2013, il a vendu. Mais l'acte de vente qu'il nous présente date du 13 février 2020. S'agit-il de la même parcelle ou d'une autre? Bon, on a mon avis sur la mauvaise salle.
Ok, maître, je dois vous préciser sur ce point-là. Je crois que le gars. On est devant la Bokungu. C'est la poste. À Nandolo, le bac que vous allez qui koya de temps en temps, Kusunga, Misala, il y a commandant. Ils ont dit qu'ils Ma mission TV, le miroir du monde. Parquet secondaire militaire de Mitent, dans la commune de Mungapul. RPA numéro 050-11. À cause de l'auditeur général, ministère public et les partis civils, les BEF, TBA et Bazan, les frères et sœurs de TBA et Bazan, les orphelins de TBA et Bazan, les ONG des voix de savoir contre les provenances après, les commissaires supérieurs principaux, Mwekenda Kenda, et comme c'est Jacques Mugabo, prévenu de détourner madame et ministre de guerre, association de malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme, des exercices, fait à qui j'ai salé 4 novembre 2021, le colonel Bondé et Bawa greffier du siège. J'appelle la cause enrôlée sur 051-11, prévenu. Ngoye Kenga Kenga, prévenu Jacques Mugabo. Présentez-vous à la barre.
vu l'article 239 du Code judiciaire militaire, entendu que le prévenu commissaire supérieur Christian Ngoï Kenga Kenga, en détention à la prison militaire de Ndolo, a refusé de comparaître devant la haute cour siégeant en Forêt au sous-commissariat PNC de Mitendi. Nous, colonel Bondé et Bawa Jean-Pierre, greffier du siège, nous trouvons dans la salle de la prison de militaire de Ndolo, dont nos sommations prévenues précitées lesquelles il refuse de comparaître au motif qu'il a des vertiges. Enfin de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal en présence des agents ci-dessous et le prévenu refuse de signer. Il s'agit de capitaine Yamba Sami, chef d'escorte pour l'auditorat général. Bien. Reprenez vos places. Partie civile. C'est orphelin Chebeya Bazana. Bazana. La VSV, maître Bondo Chimbombo Richard du barreau de Kinshasa Gombe, conjointement avec. Pour le barreau. Bondo Chimbombo, maître Mikaï Bomba, avocat barreau, après la cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement avec. Zéloa, renseignant, il est là. Le capitaine Katebere. Lieutenant Bokungu. Les avocats. Bokungu Azabé. Doudou. Une descente, c'est juste cette formalité de procédure et après nous allons nous déplacer pour essayer de retracer exactement comment ce que les faits s'étaient passés cette nuit-là avec l'aide du prévenu Mugabo et de renseignants de nous. Et après nous aurons, vous aurez des questions à poser. Migabo, venez. Doudou. Nenge le to essaye ko kanisa ko tala nenge le kaki mukolo wana. Hein? Alors binomi balende boko lakisa biso a peu près nenge zaraki. Hein? Na sima to kozonga apona ko silisa. To ko na nzela to ko poser deux ou trois questions. OK? Voilà. Dino, on a un avocat. Si n'entrez pas au côté là qui. De là, nous verrons si c'est très loin avec le bus prendre. Dans, vous allez vous organiser parce que le bus ne saura pas prendre tout le monde. Dans les collectifs, par collectif, les avocats qui pourront aller avec nous. OK? Maître Bondo, vous voulez intervenir? Oui. Mais il y a un préalable. Okay. C'est que Katebere, oui, et Bokungu, oui, sont des témoins ou des renseignants très importants pour, parce que c'est ici leur poste. Ils doivent nous indiquer où M. Zéloa avait logé Banza. Et avant qu'on ne descende sur le lieu ou la parcelle qui se trouve être un cimetière sui generis. Et voilà comment nous nous entendons procéder. Parce que Katebere et Bokungu sont deux éléments très, très importants, très indispensables. Bon, la cour a ses propos. Nous allons commencer à procéder par là. Et puis, cerise sur le gâteau, nous aimerions que les document parcellaire que promet de déposer au greffe M. Zéloa soit déposé sur les bancs maintenant parce qu'il les détient entre ses mains. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné il puisse rentrer avec les mêmes documents. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Okay. Oui, de l'administration foncière, il y a toujours un croquis qui renseigne la situation géographique. Voilà pourquoi
nous insistons pour que les documents soient déposés préalablement. Nous pouvons prendre connaissance et nous rendre compte de là où on nous amène. Notre crainte, notre peur est qu'on nous amène au mauvais endroit. Nous voudrions descendre aux bons endroits pour enchérir dans le même sens. Ce sont des actes de droits de gestion coutumiers et puis actes de vente. Donc là, il y a l'acte de vente par lequel il a vendu la parcelle à William Simba. Numéro. Oui, mais. Dans le c'est un lotissement. C'est un lotissement. Est-ce qu'il y a ce document-là? Ah, vous avez. Et là, le numéro cadastral est là. Donc. Non, l'extrait, le numéro cadastral est vérifié. C'est justement, il dit qu'il est à l'avenue William Simba, quartier Mitende, du numéro cadastral 77 506. Et la superficie totale est de 21 mètres de longueur et 400 V00 de long auprès de M. Mide Simbangimbi. Voilà. Document de 20 mètres sur 25. C'est ça la parcelle vendue. Et les documents. Ça, c'est la parcelle. Ça, c'est. Vous l'avez encore. Le 20, 25, c'est ce que vous avez vendu. Il y a un contrat. Il faut chercher le document. Il y a un contrat avec une station que j'ai eu. Je vais montrer la parcelle. C'est ma parcelle. Il y a même un contrat. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Aider le vendeur avant la vente. Oui. Donc parce que lorsqu'on vend, l'acheteur ne va pas garder le même numéro cadastral. Il y aura un second numéro qui sera donné à l'acheteur. Donc déjà lui en vendant, il avait un numéro cadastral. Donc il avait un contrat, même par rapport à la parcelle cédée. Ce que nous avons besoin, c'est le titre de la parcelle avant qu'il ne la cède. Le contrat en son nom, parce qu'il l'a cédé avec un numéro cadastral. Et le titre avec son nom qu'il contient jusqu'à ce jour. Ce n'est qu'une partie remise aux renseignants de nous amener maintenant les actes de l'administration foncière. Foncière. Voilà. Notamment les contrats avec le procureur. Tous les annexes. Voilà. Je crois qu'on est d'accord. Oui, nous sommes d'accord. À présenter à la haute cour militaire. Il est fait état ici qu'il y a eu une cession. Donc, on a cédé une parcelle qui portait le numéro cadastral. Et lorsqu'on a cédé une parcelle qui portait le numéro cadastral, il doit être établi devant les conservateurs les contrats de cession de bail. Et nous voudrions également que dans les lots des documents qui doivent être déposés, que celui-là également soit déposé parce que le contrat de cession de bail s'établit devant les conservateurs qui contre-signent avec les partis. Ça pourrait également nous rassurer si réellement il y a eu cession conformément à la loi. Aux actes de l'administration foncière. Ok. Tous ces éléments-là, ils vont nous apporter, mais focalisons-nous sur ce pourquoi nous sommes venus faire. Renseignant Bokungu. Allô. Oui. Monsieur César Wapi.
À part Lupango Oyo, il y a Epaï Banza Zaï Kovanda. Hein? Au Kenya, général, ils ont ça, Lupango Epaï, ils ont ça, 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 Le renseignant va nous indiquer où se trouve sa place. L'audience est suspendue. À la réunion, on va faire état des questions. Ok, d'accord. Je vais vous donner un petit peu de temps. $3 million.
Il a situé, il a vendu. Il a vendu. Voilà. L'acte de vente renseigne 13 février 2020. Non, non, Attendez. Nous parlons de la parcelle où habitait Banza. Cette parcelle a été vendue en quelle année? 2014. Voilà. Moi j'ai une question, monsieur le Premier Président. 2013, il a vendu. Mais l'acte de vente qu'il nous présente date du 13 février 2020. S'agit-il de la même parcelle ou d'une autre? L'acte de vente de 2020 concerne quelle parcelle? Mais pourquoi nous, la Cour a demandé de 2013? Mais il nous présente la parcelle cédée le 13 février 2020. Il veut nous dérouter ou pas? Parce que c'est un renseignant. Où est le président?
venait dans sa parcelle à bord de sa Jeep. Est-ce qu'il peut nous montrer le chemin qu'il a emprunté pour arriver ici, pour arriver? Il y a 10 ans. Mais on devrait quand même garder la route. Lorsque vous arrivez dans votre parcelle à bord de votre Jeep, la route serait toujours traçable. Ça arrive. Combien de loyer? 10 000 francs. 10 000 francs. Vous tenez pas maman nana? Ah. Appelez ça au numéro. Et ça pas mbali. Numéro en gros en ango. Mbali là qui n'est pas là. Azar tout ça. Vous c'est quoi lukana? C'est un point moins téléphone. On a des autres qui n'ont pas maman nana. Ah, bah elle me souffle, bah on me fait baya. Oui, mais voilà, il y a maman nana, oui, mais voilà. Eh, mon père n'est pas colonel. Toi, mon nez, vous voyez, bah. Eh, n'ayez bien, ça peut être pour moi qu'on est le colon au tableau. Côté, hein? Il y a Mélignon. Mais par exemple, le pain, on peut côté Mélignon. Aïe, ça peut être. Aïe, côté la ville. Il y a été. Foncier, comme nous l'appelons en termes de loi foncière. Nous sommes africains. Ça, c'est le coutumier, ce prince. Yo, Ebi Banza. Oui, nous voyons Ebi Mel. Azanan. Il garde le corps en général. Azawak. Bon, depuis ces temps, tu évites. Mais tu vas une place de mon corps. Je suis venu matin. Dans le pan, on a. Encore en général. J'ai dit. Quand ils ont. Il y a un peu de temps. Il y a un général. Ton nom là. Banza. Banza. Abima qui d'abord quand? Est-ce que ça se dans le pan ou pas? Non, Abima. Abima depuis quand? Depuis. Ah.
Alors on a du bon sou. Ah, ouais. Il y a ceux qui n'ont pas de vente. Il y a ceux qui n'ont pas de vente. Il y a ceux qui n'ont pas de vente. Précision de taille. Il dit Banza a habité là-bas et il a habité ici. Avant d'aller au Bosso ou bien tant que je suis avant d'aller à Bandaki Ao. On est devant la Bokungu. Mai juin 2010, na boutoua le 1er juin 2010, na le 2 2010 juin. Alors, motuna ya pour les aliboué. Na mukolo wana. Banzazai ko vanda wap. Banzazai ki awa. Banzazai ko vanda wap. Nana le biboué. Nani à l'obiboui. Moi, la cour vous pose la question. Banza habitait où à cette date-là? La date où on a été à Longwa Bandia. Non. Na lobi na mukolo ya makambwa na. Banza zaiko vanda wapi? C'est la question. C'est acté Banza habité ici. Donc, à vous dire que vous avez un peu de temps. Non, pas ainsi, c'est après cet événement-là. 2013, voilà. C'est clair maintenant? Oui. On peut remonter. Cette maison-là, il y a une chambre de salon là. La maison est occupée. On montre quand même la maison parce que la maison là, qu'on voit, c'est à peine qu'on a été construit. Est-ce que c'est la petite maison là aussi? Salon. Est-ce que vous êtes content de la 4? Yo, moi, perso, je suis content de la 4. Tant que vous avez fait la 4. Alors, on a un rideau. C'est ça que vous appelez chambre-salon. Sans l'entendement aussi. Et les hésitations que nous voyons dans les chefs des renseignants peuvent nous aider. Nous proposons à la cour. Parce qu'ils disent que ce matou, c'est pas loin. Si on peut juste y arriver, voir, et nous allons tirer les conséquences. C'est vraiment une demande, monsieur le président. Non, allons-y. Master, João Mukesima. Não, o bicho aí não tem.
social activisme en abino après. Nous aussi la poste. Nandolo le baki que vous allez qui koya de temps en temps kosunga misala ya commandant. Bah ezaki na balupangu wapi. Moko ezalia wa. Misale za osala bi pa inyosu bien za iko salema kuna ou bien awap pa misale za ki deja avancé ezaki na yena kuta kuna fondation ici ba après ici ici oyo ici oyo nga moko to bani fondation ezaki awu. Vous aviez dit que vous aviez 5 parcelles. Donc c'est de quoi faire. Vous pouvez indiquer à la cour où ça se situe. Une parcelle ici. Une parcelle ici. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ici. Donc c'est là où vous étiez. Non. Une ici. Une autre là-bas. Et là, ici, là où lui supervisait les deux. Et l'autre. Ok. Ça, c'est les deux que lui connaît. Et les trois autres, l'avez-vous déjà mis en valeur? Oui. Il y avait mis en valeur et que j'ai vendu. Pardon. Dix. Vous en aviez combien? Donc, les autres sont venus après. En 2020. L'acte de vente, oui. L'acte de vente est intervenu en 2020. Donc il y a une année que vous avez vendu ça. Oui. Mais ici, ce n'est pas vendu. Non, ça, ce n'est pas vendu. Est-ce qu'il y a une mise en valeur? De 49,25, c'est celle qui n'est pas encore. C'est 49,25. Bon, nous allons. Ces parcelles, ça nous embrouille un peu. L'avenue porte fièrement son nom. Il y a déjà des numéros. Peut-il nous dire que mes parcelles sont à tel et tel autre numéro? Ça pourra nous aider, même si nous devons arriver sur le lieu, ça va nous faciliter la tâche. Ok. Quel numéro? Mais c'est le président, nous sommes sur le terrain. Je vais vous montrer la parcelle. Non, mais quel est le numéro? C'est dans l'intérêt de la... Est-ce qu'il y a... C'est, comment dirais-je? Il y a un numéro de la parcelle. Vous verrez que dans les quartiers, jusque-là, il n'y a pas de numéro. Oh, il y a le numéro. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction à faire. Nous venions tout à l'heure là d'une parcelle qu'on nous a indiquée comme étant sa parcelle. La parcelle porte le numéro 19. Alors, sur la même avenue, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de numéro, ça m'étonnerait. Parce que quand vous regardez sur le mur, c'est indiqué, les numéros sont indiqués. Et au numéro 19, avec les occupants et les voisins, ils ont confirmé que c'est sa concession. Et les voisins ont même dit qu'à cet endroit, plusieurs fois, on tourne le sol et les autorités viennent ici. Nous voudrions savoir si le numéro 19 lui appartient également. Parce que nous sommes sur l'avenue qui porte fièrement son nom, comme vient de dire Maître Matso Kelkaso. Là où vous êtes, là qui n'a pas été vendu, c'est quel numéro? Monsieur le Président, Castro, vous avez donné quel numéro? Pardon? On peut avancer. Parcelle que vous n'avez pas vendue. Ça, c'est le numéro. 49,25. C'est quel numéro ici? Mais si vous ne savez pas, vous posez à celui qui habite ici. Je ne sais pas, le chef de quartier, il avait attribué. Bon. Bon, pendant là-bas.
parce que c'est eux qui sont venus sur terrain. S'ils peuvent d'abord reconnaître que là où nous sommes, c'est là où ils étaient venus. Doudou et Mugabo. Mugabo. Ah, Doudou et Mugabo. Katebere. Doudou et Mugabo. Permettez. À part Lupangu Oj, na Lupangu Oyo Olobikuna, na Oezan Avenue Matou, na Oe Patokeneki Lelo, O Tokeneki Pai Banzazai Kovanda. Est-ce que Oyebi Lupangu Moussou à Général? Si Maya 2011-2012, je suis à Ao. 19. Ah. Parce numéro. Ah. Numéro de Naïbi, c'est ce qui est des quartiers à Gatiaka, le numéro de Naïbi. Tout ça, là. Vous avez fait ça, vous avez mis ça. Awa. Voilà. Awa. À part Awa. Awa. Nalingina Yeba. Et on a joué du saumon. Nalingina Yeba. Oui. Jusqu'en 2010. Après 2010, ce que on a été libre sauté, mais 2010 avant l'Ikambu Oya Koufa, il y a Monsieur Tchebeyana Bazala. Oyebika ka Lupangu wa. Oh, on a connu Pesaki déjà avant Makambuana. Oui. Ou bien après. Avant 2010, Ezaki Aye, vous avez connu Pekuna. Kuna pe Musala Zalaki. Katibir. Oui, on a besoin que ça me salle quand. Oyo le pangouana. Ah. Oyo, na oyo zawaï. Oyo si maïe kouzoua, ou après 2010. Ah. 2011, 2012, d'être bandit au tour. Mais n'est-ce pas le bin à 2010, ou n'a pas les qui a bien géré. N'a moné à Bossani. 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 Yo, on nous a dit que. Ouanana. Ah? On nous a écrit à la poste. Nous avons une poste. On a dit que c'était un peu de temps. On a dit que c'était un peu de temps. On a dit que c'était un peu de temps. On a dit que c'était un peu a commencé à exister en quelle année? Parce que c'est une avenue qui porte son nom. Vous posez la question? Oui, au général. C'était en 2010. 2010. C'est-à-dire que lors de la création... Fin 2010. Fin 2010, à peu près. Non, vas-y, posez la question. Ça veut dire que lors de la création de cette avenue, il n'avait qu'une seule parcelle sur cette avenue. Parce qu'il nous a présenté ici et l'autre ne se trouve pas sur cette avenue, apparemment. Donc lors de la création, il n'avait que cette unique parcelle en 2010. C'est ça? C'est oui. Ça. Bon. Il y a des documents, il y a un charte. Si vous avez acheté en 2012, il doit avoir certainement des... L'acte de cession est là. L'acte de... cession et même l'acte de vente. D'achat. Mais on vous a demandé de tout amener. Et la deuxième parcelle sur l'avenue Djadidja, j'ai eu ça en 2012 ou 2013. Je l'avais bien dit. Donc et même lui l'a rectifié. L'avenue portait déjà votre nom. Oui. La parcelle, lorsque le premier occupant, avec le nombre de parcelles qu'il a, ça va porter son nom. Et du début jusqu'à la fin. Donc c'est impossible, impossible. Soit on devrait leur séparer pour avoir la bonne version. Tels qu'ils sont ensemble, nous n'aurons jamais la bonne version. Qu'ils produisent les actes de vente et de cession. Pourquoi je fais poser cette question? Mais pour éviter éventuellement de... Voilà. Voilà. Quel est le nom, le procureur de... C'est lui qui vous a vendu la parcelle là. Le numéro 10. En 2012. Le chef coutumier Kinzoz. Non, un chef coutumier. Non, action. Au même corps, il y a Bazana. Est-ce que vous en avez idée et pas beaucoup de corps là? Je ne sais pas si vous avez un corps.
et il m'a dit tout. Oui, la canzela ni. Il a canzela ou. Tu vas nous voir tout droit. Quand on va sécter ou tellement on doit causer la carte. Moi, quand on va sécter ou. Au place de nous tout quitter la carte. Déjà quoi qui cause la mémoire pour y. Attends la mise au collège, vous avez une serre. Moi, quit. Vous avez une quit. Bon, moi, quoi. Vous me laissez quoi. Mais nous avons déjà dit que nous avons déjà dit que nous avons déjà dit que nous avons déjà. Mais est-ce que, attendez, vous côté là qui wapi, vous subimez là qui wapi, vous avez déjà dit que 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 vous avez déjà. C'est ce dont on veut savoir. Mon colonel. Allez, expliquez-moi calmement. Oui. Tant que tu es dans le secteur, tu es dans la côte à gauche. Ah. Quand tu es dans le secteur, tu es dans la côte à gauche. Tu es dans le père Moko, Yanjoto. Tu es dans le gap. Antenne civile, antenne militaire, il y a père. Je suis un peu plus de temps. Est-ce que Bapemba va sur la naïve parce que sur la na kenga kenga. T'es dans tu es en accord. Bapemba va y accabat. Moko a tenu civil de kenga sur la kenga kenga. Voilà. Moko a tenu civil de sur la kenga kenga. Quoi ça a tenu wana. Des gens a bêché na maboko. Entre na Congo. Congo ça a na sina bêché na maboko. Des temps où y a na butuana to sololi. Des kenga kenga a pesi ordre pana ni ça a tenu civil. Des va y avoir monsieur Ousmane ni. Je voudrais revenir Katebere. Niveau ya banda ko za laki ndenge ni ya msale salema ke za laki ni. Est-ce que za laki za ki angare se koyi? Est-ce que za ko vanda? Eh, muto za laki nde awo. Wana ni pamwa muto mususu. Muto mususu. Yoka question ya ku. Et si la question vous est posée, c'est pour atteindre un objectif. 1. Nakati awa mutazai ko vandate. Ezalaki nani ekoyi. Angar. Yangoana. Yaliboso. Yami balé mutazai ko vandate. Oui, nakuta mutute. Te tango mkolo jusque là mutazalaka te. Par le point de vue de ce que vous avez pensé, vous avez aussi mis ça. De tout bandit fondation. Et nous posé aux questions. Jusque na juin 2010. Et loco, nda kuni ni batonga kia au lobby. Et loco zala kite zala kina ni yako koya. Boye. Et alors, ce que vous avez aussi la misala ni ni ao. Misala toujours koya kotonga. De où vous avez koya. Ok, d'accord. Donc nous actons. Il n'y avait pas de travaux qui se faisaient ici. C'est ça. Bon alors. Et là, on est là qui a eu la question de la pango ya mutu. Et c'est là qui zamba, et c'est là qui nini, et là on est là qui a eu. D'abord, les gens qui connaissent mi balé. Ok. Allez. D'accord, on a besoin de nous donner tout ça là. Tout qui tisse qu'on a mal en zéla, ils aillent au kangama, ma matiti. Et tout qui tina et tout. Tout le boulot. Bon, c'est quoi, yo? Ce qu'on a le bien à yo, qu'est-ce qui est le pango au yo? De ma kamboué salé maki. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire 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 que je Poussant à mon cabo à gauche. Et à gauche, Nabino. Oui. Nebo Kundiwan. Oui. Vous êtes tout à court en assez boué, ne va pas tirer la cérémonie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point précis? Attends, la course.
Est-ce que vous avez dit Matiti Moulaï, toi, vous avez dit Nassé? Place où on a moi Matiti, vous avez dit Assiva, place où on a Matiti Moukébou, après moi Moukébou, tu connais ce qu'on a Zamba. Oui. Matiti Amilaï. Oui. Moulaï, le voyou. Ah, j'ai eu au Kanga, mais tu vas en jeter au Kanga. Oh, le Pango est allé à peu près. Après, distance au Assalé, vous savez que vous avez un Zéla. Dimension, tellement qu'on est les Zaga Boutou. Tu dis que les gars mouquets ou bien Kagana Katia, tu dis que les gars mouquets. Tu dis que les gars mouquets pour. Est-ce qu'on ne peut pas appeler. Nous appelons Mugabo et puis. Prévenez Mugabo. Tu es là qui est dans l'eau. Le bac est dans l'eau. Ce qui est là, c'est le balou qui est là. Mais tant que tu es là, tu ne passes plus à tes femmes. Katébé. La fois passée. Oui. Kuna, yango ka to sali le tomatipe. Lakisa ibiso ao. Nde lelo yo lakisi biso ao. Bon. Oyebine ke oyaka ao. Na ebisite oyo na koma na ngona butu. Koma gina butu. Na 2010. Bon. Tang boyaki botika imutuka wapi? Tang tomati to droite ena to komi na tope oyo. Tika muduka memo na ko precise te place exactement penda na tika muduka. Ah. Mais il y a un peu de temps. 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 Parce qu'il y a un peu de temps. Il y a un chauffeur qui est en train de se faire. Tomati n'a pas de défendeur. Ti, tu es comme un angoir. Moto, il y a un peu de temps. Il y a un colonel qui est en train de se faire. Tu es un peu de temps. Il y a un peu de temps. Kolo ya maiti ya bazana ibimbe bazana mtu huyo abande kondwira biso ezaka wa zaki antenne civile do koti na gauche na biso non to za nani hein bokomi komi ndenge la même remarque que j'ai faite à Doudou basola ki na binoti basola ki na chef de mission na bino nani ayaki e banaki ndenge ni ki na buduka. Mutayamba kibiso, ezala mutu wa kondula kibiso ti na biskari bulu ezalaki. Ah. O vazo benga banza. Ah. Tokomi do kiti na mudu kati, ayambi banza. Eza wapi? Eza ordre, mokiti sa maiti wana. Ebembe wana. To kiti si ebembe wana. Tango do kiti si yango, to pusa li mwa muke li boso. Apre do koti, na gauche na biso, on 200 metres. Na ko precise wa metre te, mais parce que oh yon yoso isa ilo komo kote zaraka sauf yo na mona na butuwa ni zaraka angali angali yango pera ebite so zaraka wapi mais si tende oyo mo problème et to kota zaraki matite so zo kota kana matite na barabara oyo to yaki zaraki ya mukebo mudu ki chie pina boye chie pina boye zaka ka koro sa baka barabara ne do kota ti to koti biska di buli zaraki wana bon lobby que si Tiango est allé à Oua, selon vous, la Tchaki Korwapi, à la position, il y a site Oyo. Attendez. Parce que, il y a. Nan. Est-ce que vous êtes là qui boye ou vous êtes là qui boye? Vous êtes là qui boye. 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 Donc il bosse à Mamoudouka. Donc il y a quelques à 10 mètres de côté de Soussou. Na 200 mètres na gauche na biso. Donc il y a butu ana ko ebate to ke wa mais na ebike na mutula nga na ebike na kota na gauche. Oui. Na côté gauche ba quelques mètres aux ala ki wana ba 200 100 mètres. To kuta li bulu wana muto abande o conduire biso azala ki wana. O chimbla li bulu wana. Qui est bien à l'ibulu, to zipi, to silici, to balusi, ma mouduka. Il est comme moi, côté à Zarakate. On peut aller ailleurs. Pardon? Des questions? Oui, monsieur. Il y a hangar, il y a place où il y a un hangar. Est-ce qu'il y a un voisin? Il y a un voisin qui est un voisin. Le côté est à ma bête, dans mon atelier.
cette site n'était pas mise en valeur en 2010. Cette parcelle, oui. Ma parcelle. Oui. Non, il y avait l'hangar. Il n'y avait personne. Il y avait l'hangar. Auparavant, il y avait une personne et par après, monsieur le président, vous verrez que c'est Castro et Bokundu qui maîtrisaient beaucoup ici, puisque moi je ne venais. Ils ont dit qu'à ce moment-là, il n'y avait rien. Il y avait un hangar pratiquement dans cette parcelle. Ezaya Kokoya. Mais Matiti et Zaradi Nassé. Voilà. Des questions à Doudou, mais je la repose à Mugabo. Tel qu'il voit cette parcelle à ce jour, c'est vrai que ça fait plusieurs années, tel qu'il voit là où nous sommes maintenant là en train de siéger, où nous sommes avec la cour, peut-il se rendre compte à l'évidence que là où ils étaient entrés avec les explications qu'il a données? Parce que je note qu'il a dit là où ils ont déposé le jeep, ils avaient avancé un tout petit peu et ils ont pris la gauche. Peut-il se rendre compte à l'évidence que là où nous sommes, c'est effectivement cette parcelle-là? Des loupangs au Je précise que nous avons confirmé que nous avons mais si tu es dans le cas, tu es top. Parce que c'est le cas. Ils ont pourquoi ils ont tongi, ils ont été net, ils ont mais ceux qui ont vide, ils ont été ricolo. Ah ouais. Quand on a battu un côté, à droite, à gauche, devant. À gauche. Voilà. Tokiti, ouais. Il y a un bosso à Moudouka, quelques mètres à temps, 10 mètres. Tu côté à gauche. Ok. Tu côté à gauche. Oui. Ma mètre, on a encore pressé à 100 mètres. Ils arrivent tout aux autres places à Koleka. Ils arrivent à Nzete, ils sont là. Il reconnaît le site, mais c'était quelque part. Il reconnaît le site, mais c'était quelque part. Il essaie de décrire que c'était à gauche, hein, le véhicule en position par rapport à nous sommes à droite, hein, direction droite. N'y a-t-il pas moyen, parce qu'il y a un numéro qui appartient, le numéro 19 qui appartient actuellement au général. N'y a-t-il pas moyen que c'est non loin d'ici, je peux me dire ça, moins de 100 mètres. Moins de 100 mètres. Peut-être que c'est quelque part là où il indique dans son discours. Parce qu'il dit le site est là, mais c'est quelque part. Il ne dit pas que nous sommes exactement au bon endroit. Il continue à maintenir que c'est quelque part. Puisque nous sommes dans le site, il y a moyen, si vous pouvez le permettre. Cette version de fait de quelque part est aussi celle de Doudou. Ils reconnaissent que c'est le site, mais c'est quelque part. Puisque la concession, il semble que nous sommes dans la concession qui a appartenu autrefois au général Diadidia, même s'il dit que non, il a quelques parcelles. Nous pouvons avancer, nous sommes toujours dans cette concession, voir si c'est quelque part où il parle. Donc il est question. C'est la meilleure source d'information. Oui. C'est au combat qui est déjà, tu ne comprends pas l'école. Oui. Le service de cadastre est là.
vous pouvez même vous renseigner même auprès des voisins. Mais ça, la parcelle que vous avez achetée après 2012, ce serait où? La parcelle est là. Ah, non. Mon, monsieur le Président, je veux préciser quelque chose. C'était au mois de juin. C'était la saison sèche. Et vous verrez qu'ici, pendant la saison sèche, quand quelqu'un dit qu'il y avait des herbes, il y avait des je ne comprends pas. Et au mois de juin, c'était la saison sèche. C'était au mois de juin. Ok, d'accord. C'est ça le 19. Mais ça appartient à qui? Sur base de quoi vous mettez au général? Nous disons que lorsque nous sommes arrivés avec la haute cour sur le site, on nous a conduits par erreur où, au bon endroit ici en disant bon, le lieu que vous cherchez c'est ici. Alors lorsque Doudou Mugabo a dit et Doudou a confirmé que nous sommes dans le site, et ça doit être quelque part. Lorsqu'on parle des hangars, je me retrouve devant cette pièce qui présente l'hangar. Et lorsque j'ai tenu à ce qu'on vienne ici, c'est pour confronter le prévenu Mugabo à son discours des hangars et à son discours de nous sommes entrés à gauche un peu plus profond. 200 à 200 mètres. D'accord, ça c'est par rapport à ça va. Cette déposition. Place de côté lit. Non, tu as commis place pour télémaquité. Place de côté là. Tu n'es pas en tout côté. Hein? Na place de télémaquité, place de comaki. Est-ce tant que na mutuka au supposé zaki a obé zaki ko kota na ndenge ya koya boye te moni so zo ya boye ba mutuka de tremisi ya ngwa partir ya wana quelque part wana to koma ko te na se de do kiti mwa muke na ko na maboko to tiki mutuka wana do tikiti mwa muke za ko to community musika de do koti boye Place de Kutaki Mouton, Azo, ou à Kodrige Bissot, Bissika Bandai Kozera Bissot. Donc, Aïe, Atiki, Azubino, Atiki Akenabino. Même Bissot, Bissika, Tim Black et Liboul. Les questions d'autres maîtres. Les occupants nous ont vu monter en toge et ils nous ont conduits ici, on pensait retrouver, nous donner des informations. Et, monsieur le président, on nous a indiqué que c'était vers Emanguier. Ah, là où ils ont poussé avec le corps. Et curieusement, lorsque nous sommes descendus, on a vu effectivement qu'il y a un mangué vers le fond. Bon, on regarde tous ces éléments. Un avocatier. Mais on regarde tous ces éléments. Mais lorsque vous avez posé la question au général Djadjidjo, il vous avait dit qu'il avait une autre parcelle dans ce coin. Il peut vous indiquer cette parcelle. On peut demander qui occupe parce que nous sommes en quête. Peux-tu nous indiquer là où ils avaient indiqué, on avait procédé à des petites fouilles avec les experts de la MONUSCO. Tant que vous voyez. Ah, ici, Kobanda Boy. Pardon, mon colonel. Kobanda Boy. Des sites type place jusqu'à Tauti. Donc, il y a le lobby en termes de sites, non en termes de parcelles. Voilà. Donc, dans 4 sites, Oyonde, et pas Makambu et Salema. Est-ce que. Je dis qu'on a commencé ici. Est-ce que maintenant, vous avez la fouille à bon, tu as ça là, ma ba discussion, kaka awa. Évite ce que bazonga c'est ma ko sala ba fui, na na zarakate. Donc dans cette partie, on pourra poser la question à l'auditeur général. Il y a les pièces dans le dossier. Dans l'autre dossier. Oui. Voilà. Pas dans les 0,50. Non, non, dans les 0,50, il n'y a rien. Voilà. Est-ce qu'il y a encore de questions sur ce point précis? Une observation. La psyché de l'homme qu'on appelle Zéloa. Oui. Dès qu'on est arrivé ici, oui. Vous savez, quand on était dans l'autre parcelle, oui. Et même au début, à l'extérieur, là, il n'avait pas craqué. Mais vous avez vu ici comment il a sué. Voilà. C'est-à-dire, on a mis le point là où il a fait sa cachette.
c'est ici et réellement ici. Vous pouvez, les images sont là, il y a toute cette parcelle-là, a des trous partout, comme si on est venu rechercher quelque chose. La parcelle est déterrée, le site est déterré derrière nous, derrière vous ici, tout ça. Même là où il indique. Et c'est pour cela qu'il parle avec nervosité. C'est ça la psyché des gens qui reconnaissent leur culpabilité de manière tacite. C'est la psyché. Moi, j'ai fait la psychologie. J'ai fait la psychologie avec des savants en psychologie, des spécialistes, pour connaître... Monsieur le Président. Nous avons... Oui. Non. J'ai dit, on n'est pas venu. Oui, d'accord. Et ça sera dans le gros dossier. Il n'avait que deux parcelles dans cette circonscription. Ça, c'était la question que je voulais poser. Il remet en cause le fait que il peut être le propriétaire de cette parcelle. Mais est-ce qu'il connaît le propriétaire de cette parcelle ici en tant que voisin? Et s'il les connaît, quelles sont les relations qu'ils ont? Le service de cadastre est là, allez vérifier. On vous dira cette concession appartient à qui? Monsieur le Président. Mais avec les jumeaux, je vois que c'est l'acharnement contre Djadidja. Ah oui. Auguste Cour avait auditionné Madame Sarive. Je pense que procéder de la même manière ici, ça pourrait aider la Cour à découvrir la lumière dans cette affaire. Si la Cour peut poser quelques questions aux occupants de ces lieux pour savoir qui serait le propriétaire de cette parcelle. Mais vous me menacez ou quoi? C'est une préoccupation. Mobile Nayo, yo comment Nayo Nan? Comment Nayo Maman Sandra? Maman Sandra. Maman Sandra. Ah bon, vous avez un locataire? Bon, tu as un locataire, tu mets au Kengela. Au Kengela. Nan Mkolo Lupang. Mkolo Lupang, Papa André. Papa André. Avant de voir. Avant Nanji. Satisfait? Pas du tout, Monsieur le Président. Nazalaga, Papa. Malani, bah, au salle, Mkolo. Bon, na mona, va sur la mort, va y aller au salle, na yébite. Namboula, ni noir. Bon, bah, ça, y'a un cas, l'an 2021. Bon, sur la mort, j'ai combien? Bon, Papa, Bazala, qui est béni. Ok. Maître, je dois vous préciser sur ce point-là. Je crois que Mugabe, ils sont venus et c'est... Je vous dis ça parce que ça engage la Cour, parce que c'est le ministère public qui le dit. Et ça se trouve dans les dossiers que Maître connaît. Il y a même l'expertise, la MONUSCO, là-bas. C'est dans ce sens-là qu'il y a eu un peu de tout. Je vois que pour aujourd'hui, on va arrêter là. Nous allons nous retrouver... Il est là. Où est-ce qu'il est? Connais Bondé. Il est là. Pip. Bondé. Venez ici. Pour la poursuite de l'instruction. Ok? Pour aujourd'hui, on arrête là. Ça va, merci. Mission TV, le miroir du monde.